Bonjour, je m'appelle Ornella Sensi, d'origine italienne et issue d'une famille de commerçants. Je suis née à Charleroi, j'ai grandi à Charleroi, dans la rue des éditions Dupuis. Je suis donc un véritable produit wallon. Alors, c'est à l'ULB que j'ai décidé de faire mes études de droit et de criminologie. Et puis, à l'issue de ces études, j'ai eu cette envie de rentrer dans ma ville pour exercer ma profession d'avocat, ce que j'ai fait jusqu'en 2006 au barreau de Charleroi. Ensuite, Olivier Chastel, dans le cadre des élections communales d'octobre 2006, m'a proposé de le rejoindre sur sa liste en deuxième position, ce que j'ai bien évidemment accepté avec grand plaisir dans la mesure où je défends les valeurs du mouvement réformateur depuis toujours. Ce qui m'a finalement conduite à un poste de conseillère communale de décembre 2006 à juin 2007. Et le 11 juillet 2007, je prêtais serment en tant qu'échevin à la ville de Charleroi avec des compétences cabinales qui étaient celles des affaires économiques, du commerce, de l'emploi et de l'économie sociale. Alors, j'ai bien évidemment mis ma profession d'avocat de côté dans la mesure où je souhaitais vraiment m'impliquer à 100% dans mes nouvelles fonctions et où il était important pour moi de travailler au quotidien dans le cadre de ces fonctions pour ma ville. Alors, à côté de la politique, bien évidemment, j'ai des passions. Tout d'abord, la bande dessinée, ça c'est quelque chose qui vraiment a rempli mon enfance et qui remplit encore maintenant mon quotidien, mais également le livre sous toutes ses formes. Et puis l'antiquariat et les brocantes. J'adore aller chiner sur les brocantes et y trouver, en tout cas au gré de mes envies, des objets insolites. Il est certain, bien évidemment, que l'ensemble de ces passions, je les partage avec mon compagnon et notre fiancée qui a 4 ans. Alors, pour terminer cet entretien, si je devais me définir en quelques mots, je vous dirais que je suis une jeune femme libérale qui a vraiment à cœur de défendre les valeurs du mouvement réformateur et qui surtout se bat au quotidien pour que Charleroi soit une ville moderne, soit une ville tournée vers le futur, soit une ville d'avenir et soit tout simplement cette première métropole wallonne.